En vérité, il est bon. Et il est digne d'adoration. Et c'est pourquoi, chers téléspectateurs, téléspectatrices, RTJV, ce matin encore, nous voulons remercier ce Dieu qui est bon. Et il opère dans sa bonté. Et c'est pourquoi ce matin, il veut opérer dans ta vie dans sa bonté. Et c'est pourquoi recevez nos meilleures et nos sincères salutations en Christ Jésus. Le Christ Jésus. Soyez bénis. Oh, yirami. Et bonne écoute. Et nous, c'est Seigneur, nami. Que le Seigneur vous bénisse. Apetone, yirami. Et ce matin encore, il nous fait grâce de nous présenter devant vous avec un thème intitulé Du rejet à l'élection. Du rejet à l'élection. Tiré du livre des juges, chapitre 11, verset 11. Et Jephté parti avec les anciens de Galate. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Vandrolo tawere kehemeweka. Tete yefta yikle gilad ametitiao. Eye yefta glonyasiao kata le Yehowa nkume le mispa. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Apeto yira wonyala. Bénis-la comme tu l'as béni par le passé. Yira egbe abalike ne yira tovai. Et qu'elle s'est manifestée au temps jadis. De la même manière qu'elle se manifeste. Par le passé, tu as utilisé des hommes. Et c'est notre tour aujourd'hui. Efface notre personnalité. Et prends notre place. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Oui, du rejet à l'élection. Le rejet n'a pas commencé aujourd'hui. Le rejet a commencé depuis les temps antiques. Et chaque être peut être rejeté. Un homme peut être rejeté. Une femme peut être rejetée. Un enfant peut être rejeté. Mais ce qui importe est que l'homme rejeté doit manifester sa bravoure afin qu'il soit inclus. Et ce passage nous parle de Jephté. Jephté que Dieu appelait un vaillant héros. Et dans les temps antiques, cette expression révèle un guerrier puissant et stable. Et Jephté était appelé Galadite.
Yefta oyebe Gilead top. Alors son père est appelé aussi Galad. Et toi tu as oyebe Galad. Et c'est le nom d'une ville. Et duke et du deben koye. Et là-bas c'était les habitants d'Israël. Israël vivait non afunu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et yenu keva jo. Et pourquoi Yefta doit être rejeté? Et yenu kata wama benu le Yefta gbo. Et à quelle occasion il a été et il a reçu son élection? Dans ce passage, nous vous parlerons de trois types de repentance et le retour à Dieu et le rejet de Jephthé et le lieu qu'il résidait à Tob et ceux avec qui il était et son élection. Dans ce passage, nous pourrons remonter dans le chapitre 10 et nous verrons comment Israël, au temps des juges, ont adoré Baal et Astarté. Baal et Astarté étaient les divinités des Syriens, des Sidoniens, des Moabites, des Ammonites et des Philistins. Et c'est ainsi qu'Israël s'est détourné de Dieu et a commencé par servir ses idoles et abandonné l'Éternel. Et c'est ainsi que la colère de l'Éternel s'est enflammée et il les a livrés maintenant et ils sont opprimés pendant 18 ans. 18 ans d'oppression, 18 ans de détresse, 18 ans de disette, 18 ans de pauvreté. Israël ayant reconnu son état et son péché, Israël a crié à l'Éternel parce qu'il était écrasé. Il ne pourrait plus faire quelque chose. Et les fils d'Amon passaient le Jourdain pour les combattre, pour combattre aussi contre Juda. Et dans cet état de situation, dans le verset 10, les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu. Et nous avons servi les Baals. C'est la première étape de repentance. Et la repentance, c'est un changement de cœur et d'état d'esprit qui nous rapproche à Dieu et qui consiste à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu. Et cela est motivé par l'amour de Dieu. Et dans la première étape de la repentance, ils ont crié à l'Éternel. Et après avoir crié à l'Éternel, l'Éternel doit répondre en disant: vous étiez en Égypte, je vous avais délivré, je vous ai fait sortir des mains des Philistins, des Amoriens, des Ammonites, et tout ça, personne n'a pu avoir le pouvoir sur vous. Et maintenant vous m'avez abandonné et vous êtes tourné vers cette divinité. Allez invoquer ce Dieu qui vous délivre au temps de votre détresse. Dans le verset 15, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel: nous avons péché, traite-nous comme tu veux, comme il te plaira. Seulement daigne-nous délivrer aujourd'hui. Donc la deuxième étape de la repentance, et cela suppose que tant bien que l'Éternel les a dit, allez servir ce Dieu,
Allez, invoquer ce Dieu. Ils ont répliqué en disant, traite-nous comme il te plaira. Mais ce que nous voulons, c'est que tu nous délivres. Et c'est la deuxième étape de la repentance. La troisième étape de la repentance, dans le verset 16, et ils sautaient les dieux étrangers du milieu d'eux. Et servit l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Donc ils ont affranchi la deuxième étape et arrivé à la troisième étape qui est la vraie repentance. Et ce qui signifie dans le livre de Proverbes 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous devons savoir que à chaque fois que les pécheurs se tournent vers Dieu par une sincère repentance, la miséricorde de Dieu afflue. Dieu fut touché des maux d'Israël. Car la grâce de Dieu surpasse sa colère. La grâce de Dieu surpasse sa colère. Quand Dieu se met en colère et il va la repentance de ses enfants, la grâce maintenant file. La grâce maintenant passe. La grâce maintenant coule et passe au-dessus de la colère de Dieu. De la même manière, nous les chrétiens, nous devons nous repentir. Et suite à cette repentance, Dieu va susciter un libérateur du nom Jephté. Jephté qui signifie que Dieu libère. En d'autres termes, ouvert ou bien ouverture. Qu'est-ce que cela signifie? Jephté est ouvert à la négociation. Il est un homme d'ouverture. À cette époque, Jephté était appelé par Dieu vaillant héros. Vaillant héros. En ce temps, de guerre, cette expression signifiait un guerrier fort et habile. À l'instar de Gédéon. Et dans ces moments difficiles, pendant que Dieu voyait en lui un héros, lui, il voyait en lui un faiblard. Cesse de te condamner. Cesse de te minimiser. En ce moment-là, Jephté était né par une femme prostituée. Et une autre femme galadite a donné des enfants après lui. Et Jephté a passé tout son temps à les supporter. Il a dépassé son argent pour les scolariser. Il a pris soin de ses enfants. Et quand ses enfants ont grandi, ils sont devenus civilisés. Leur civilisation leur ont fait croire que votre frère qui vous a supporté, votre frère qui a veillé sur vous, votre frère qui s'est donné pour votre avancée, n'est pas un héritier. Vous êtes un héritier, vous êtes des héritiers. Donc vous devez le chasser. Et ce fut cette réaction. Et Jephté a été expulsé par ses demi-frères qui l'ont dit, sors de notre maison. Sortir de la maison ne signifie pas sort de la nation. Il était là. Jephté était là. Et il a senti la haine que ses frères ont démontré à son égard. Il a senti profondément aussi l'injustice. Et Jephté est allé rester à Tob.
Et à Toba, et il n'y avait que des sommes de rien. Des faux rien. Des sommes hors sens. Des sommes qui ne peuvent pas rester parmi les grands. Des sommes qui n'ont aucun statut politique. Aucun statut religieux. Aucun statut social. C'est eux qui étaient là-bas. Et Jephté était entouré de ceux-là. Et Jephté était comme au temps du roi David. Dans 1 Samuel 22, verset 3 à 2, là nous voyons aussi une réaction similaire à celle-ci. David, lorsqu'il fuyait Saul, il est allé se cacher dans une caverne d'Adulam. Et dans cette caverne d'Adulam, sa famille est venue le rejoindre là-bas. Et après sa famille maintenant, la Bible déclare que ceux qui se trouvaient dans la caverne, dans la détresse, sont venus aussi. Ceux qui avaient des créanciers sont venus aussi. Ceux qui étaient mécontents sont venus. Et tout ça était au nombre de 400 personnes rassemblées dans une caverne. Quelle caverne! Quel calvaire! Quelle situation désastreuse! Quelle oppression! Quelle zizanie! Quelle panique! Oh mon frère, es-tu aussi dans cette situation? Ou bien dans ta famille? Vous ne vivez jamais au sein des grands hommes. Non seulement vous n'êtes pas des grands dans votre famille, mais aussi vous ne vivez pas auprès des grands. Vous ne pouvez pas demeurer auprès des grands. Quand vous voulez rester auprès d'un grand, les problèmes surgissent et on finit par vous renvoyer. Bien aimé dans le Seigneur, si cela en est le cas dans ta vie, reviens dans l'histoire de Jephté. Reviens dans l'histoire de ta vie. David dans cette caverne n'était pas resté là-bas jusqu'à mourir. Mais il est sorti avec tous ces hommes-là, tous ces hommes de rien, tous ceux qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des créanciers, tous ceux qui étaient mécontents. Et c'est ceux-là qui étaient devenus des grands héros, des vaillants héros, qui ont intronisé David. Et c'est eux qui étaient devenus ses gardiens. C'est eux qui étaient devenus ces soldats. C'est eux qui étaient venus, qui étaient devenus ces gardes-corps. Et c'est eux qui rentraient et sortaient. C'est eux qui combattaient. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui tu fais partie des vauriens, des hommes sans rien, des hommes sans valeur, des hommes en qui on ne trouve rien, on ne trouve ni l'argent, ni l'onction, ni la richesse, ni le bonheur, ni aucune sagesse, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu ne peux même pas t'habiller. Tu ne peux même pas te chausser. Tu ne peux même pas louer une maison. Tu ne peux même pas acheter un paquet de ciment. Mais laisse-moi te dire que Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Jephté avait quelque chose en lui que lui-même connaissait. Mais ses demi-frères ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, dans l'église, nous vivons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. On aime accueillir ceux qui ont l'argent. On aime accueillir les grands. Mais on rejette les
les démunis. On rejette les pauvres. Alors que ce que nous rejetons, c'est là que Jésus accueille. Jésus a toujours travaillé avec les pauvres, avec les démunis, avec les hommes de rien. Mais nous, c'est à cause de notre chair, c'est à cause de nos intérêts égoïstes, intérêts personnels. Nous marginalisons certaines personnes. Bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qu'on arrive à marginaliser, Dieu a un plan merveilleux pour eux. Les demi-frères de Jephté ne savaient pas que Dieu avait un plan pour lui. Et la Bible déclare, les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galade. Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mispa. Pendant toute cette période de repentance, il n'y avait personne qualifié pour pouvoir prendre la tête du combat. Dans certaines situations, toi qui es rejeté, on te recherchera. Ils reviendront à toi. Ils retourneront. Ils les chercheront. Ils verront que Dieu est avec toi. Dans le moment de rejet, ce que le chrétien doit faire, il doit toujours entretenir sa relation avec Dieu. Chercher à connaître Dieu au très fond. Chercher à se connecter à Dieu. Chercher à entretenir une profonde relation d'intimité avec son Dieu. Afin que Dieu puisse le procurer, que Dieu puisse le communiquer certaines aptitudes, certaines compétences, afin qu'il puisse relancer sa vie. Le rejet n'est pas anti-biblique. La persécution n'est pas anti-biblique. L'oppression n'est pas anti-biblique. La souffrance n'est pas anti-biblique. La calomnie n'est pas anti-biblique. C'est biblique. C'est biblique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et comme ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne terminera pas aujourd'hui. Ceux qui ont été victimes ne sont pas morts dans cette situation. Et c'est pas toi qui mourras dans cette situation. Et c'est ainsi qu'ils ont vu l'importance capitale de l'élection de Jephté. Ils ont jeté les regards un peu partout. Ils n'ont trouvé personne. Personne ne peut combattre. Personne ne peut lever la tête. Et c'est ainsi que les anciens de Galade, les anciens, je ne dis plus la famille, les anciens, tous ceux-là qui opèrent, qui prennent la décision, les vieillards, les sages, ceux qui sont destinés à donner des ordres, à réglementer la situation de Galatie. Et c'est ainsi qui prit la décision d'aller chercher Jephté. On reviendra te chercher. On reviendra te chercher. C'est le temps de te rechercher. Il reviendra vers toi. Les anciens de Galade dirent à Jephté, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amon.
Et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants de Galaad. C'est eux-mêmes qui reconnaîtront. Ce n'est plus à toi de dire. Laisse-les te condamner. Laisse-les te marginaliser. Laisse-les te méconnaître. Parce qu'il n'y a rien de bon en toi. Et selon eux, il n'y a rien de bon en toi. Mais selon Dieu, tu es un dépôt de Dieu. Tu es un dépôt de Dieu. Et Dieu t'a garanti de tout bonheur. Il t'a pourvu de tout bonheur. Et ce qui est caché en toi, qui n'est pas encore révélé, je prie maintenant que cela soit révélé, que cela soit manifeste. Tout ce qui dormait en toi soit réveillé. Tout ce qui dormait en toi soit ressuscité, soit vivifié. Au nom de Jésus, afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviennes un revivaliste. Un revivaliste. Un vaillant héros. Un homme de foi. Un homme de foi. Un guerrier. Fort et habile. Les gens verront ceux qui t'ont expulsé. Ceux devant qui on t'a expulsé. Ceux devant qui on ne t'a pas considéré. Le temps est arrivé pour que toi aussi tu sois vu, connu, accepté de tous. Pourquoi? Parce que étant à Tob, les gens ne veulent pas rester à Tob. Reste à Tob. Là où les gens t'envoient là, c'est à Tob là-bas. Reste là-bas. À Tob, tu reçois la formation. À Tob, tu reçois les expériences. À Tob, tu augmentes ta foi. À Tob, tu fais l'entraînement. À Tob, tu continues pas. Consolider, raffermir la relation d'intimité avec toi et ton Dieu. Amen. À Tob, tu seras réarmé. À Tob, tu seras rééquipé. À Tob, tu seras fondé. À Tob, tu seras établi. C'est à partir de Tob que les gens ont entendu parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il était devenu chef des hommes de rien. Et c'est lui qui sortait à leur tête. Et il faisait les excursions. Il s'allait et il revenait. Tu iras et tu reviendras. Au nom de Jésus. Et c'est ainsi qu'ils sont entendu parler de lui. Les gens entendront parler de toi. Sur ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, ils entendront parler de toi. Et c'est là où ils sont retournés. Ils ont dit, nous revenons à toi maintenant. Cette expression est très importante. Ils reviendront. Ils retourneront à toi. Parce qu'ils verront quelque chose en toi. Ils verront un changement en toi. Ce qui était caché en toi sera révélé. Et tous reviendront maintenant. C'est pourquoi Jephté est retourné avec eux. Et en retournant, ils l'ont mis à la tête en même temps. Il n'a pas encore combattu, mais ils l'ont mis à la tête. Pendant qu'il retournait, il était devant eux. Pourquoi? Du fait que s'il rencontrait ces ammonites là, Jephté devait commencer par combattre. Tu seras à la tête. La promesse pour toi, c'est que tu sois la tête et non la queue. Donc ici, ce qui est très important ici, à retenir, c'est une seule famille.
qui a expulsé Jephté. Maintenant toute une nation l'a inclus, qui sera inclus par une église nationale, qui sera inclus pour par une église internationale, qui sera inclus par une grande société. Tu seras inclus par le gouvernement, par un décret présidentiel. Tu seras inclus. Tu seras appelé. Même toi qui es dans un pays étranger, avec des diplômes qui ne sont pas opérationnels. Aujourd'hui, ça doit changer. C'est pourquoi ce matin, nous allons élever nos voix et nous allons dire que chose à Dieu. Ce matin, tu vas dire à Dieu, rien n'est bon en moi, selon les hommes et selon moi. Seigneur, je dégage une odeur nauséabonde. Ce qui m'empêche de mener une vie sociable. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je suis ridiculisé. Je suis marginalisé. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Revivis-moi. Rallume la flamme de mes qualités, de mes capacités, de mes dons qui soient moi. Valorise-les, Seigneur. Valorise-les, Seigneur. Réveille-les, Seigneur. Les dons qui dorment en moi. Les capacités qui dorment en moi. Tout ce qui est mort en moi. Et je n'ai pas de fils, Seigneur. Réveille-les. Rallume la flamme. Ressuscite-les. Au nom de Jésus. Réveille mon sel. Pas un sel amer. Un bon sel qui me permettra de faire du bien. Seigneur, j'ai été inutile. J'ai été inutile par le passé. J'ai été inutile pour ma famille. J'ai été inutile pour ma société. J'ai été inutile pour mon église. Les gens ne voient rien en moi. Rien de bon en moi. Rien de profitable en moi. S'il te plaît, Seigneur, ce matin, je m'approche du trône de grâce par la foi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais que
tu reviennes. Je suis revenu à toi. Reviens de l'ardeur de ta colère. Reviens de l'ardeur de ta colère. Reviens de l'ardeur de ta colère. Oh Seigneur, et que ta miséricorde surgisse. Et que ta grâce qui surpasse ta colère se manifeste, Seigneur. Prie maintenant. Dis maintenant, Seigneur. Il n'y a rien de bon en moi. Je n'ai pas de vigueur. Il n'y a rien de sain en moi. Il n'y a rien de vie en moi. Tout est mort en moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons encore prier. Pourquoi Israël était livré à 18 ans de détresse? À cause du péché. Aujourd'hui, le péché est devenu monnaie courante dans tous les aspects de nos vies, dans presque toutes les églises. On abuse de la grâce de Dieu. On abuse de la grâce de Dieu. Et on est embourbé dans le péché. L'immoralité sexuelle. La secte. L'impureté. La pornographie. N'importe quel péché. L'idolâtrie. Tu vas prier maintenant et demander la repentance. Jésus veut un cœur changé. Un cœur repentant. Un cœur qui se tourne vers Dieu. Un cœur qui abandonne le péché. Ce matin, si tu peux élever la voix, si tu peux demander au Seigneur, je crie à toi, donne-moi la capacité de revenir à toi. Mon cœur est plein de péché. J'ai pris la décision de me détourner de ce péché, de revenir à toi. Seigneur, je sens le remords en moi. Le remords de mon péché. Je commence par regretter mon péché que je commets. Ce péché a détruit ma destinée. Ce péché m'a fait tourner le dos au bonheur. Ce péché m'a fait connaître l'échec. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Je suis revenu à toi en tant que fils prodigue. C'est un regard favorable sur ma vie. Je veux que ta miséricorde surgisse et que ta grâce surpasse ta colère. Et que ton sang me lave. Au nom de Jésus, nous allons encore prier. Jephté n'était pas au sein de la famille. Il ne faisait pas partie du club des anciens. Il n'avait aucun statut légal, social, religieux, rien. Il est dans l'obligation d'aller rester ensemble avec les hommes de rien. Je disais dans cette famille, non seulement il n'y a aucun grand, non seulement aucun riche, mais aussi rien de bon. Et on ne peut même pas vivre parmi les grands. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde l'état de ma famille. Toute ma famille est malheureuse. Je vais être différent. Je brise ce lien. Je romps ces liens. Au nom de Jésus, j'ôte ces limites. Prie maintenant. Dieu Seigneur, j'ai été rejeté. Parce que dans ma famille, nous sommes une famille qu'on doit rejeter.
Nous sommes un sujet de rejet. Parce que mon père était rejeté. Ma mère était rejetée. Et moi aussi aujourd'hui, je suis rejeté. C'est pourquoi je brise ce lien de rejet. Je brise ce lien de rejet. Je brise ce lien de rejet. Les liens de rejet sont brisés, sont détruits, sont coupés. Au nom de Jésus, le duc de rejet posait sur mon cou, qui exerce son pouvoir sur ma personne, m'empêchant ainsi de me relever, de marcher au milieu des grands, de demeurer grand. Seigneur, Seigneur, brise ce duc, brise ce duc de famille, afin que tu me rendes manifeste. Et que les gens reconnaissent en moi une bonne odeur de Christ. Une bonne odeur de Christ. Une odeur de salut. Une odeur de grandeur. Une odeur de sagesse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Du rejet à l'élection. Ce matin encore, tu vas dire qu'importe là où je suis, que la grandeur me localise. Amen. Que la grandeur me localise. Amen. Que la gloire me localise. Que la richesse me localise. Que toutes les bonnes choses me localisent. Que la lumière me localise. Au nom de Jésus, à l'instant où nous prions, que la grandeur localise quelqu'un. La grandeur, la richesse, l'élection localise une femme, localise un homme. Localise une femme, localise un enfant, localise un jeune, que la guérison, les miracles te localisent à l'instant où je parle. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Au nom de Jésus. Si tu es abattu, parce que tu es marginalisé, tu es rejeté parce qu'il n'y a pas de vie en toi, il n'y a pas de bonnes choses en toi, tu ne peux pas secourir quelqu'un, tu ne peux pas aider quelqu'un. Ce matin, je te rassure que le Dieu de Jephthé demeure le même Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tout ce qui est détruit en toi soit rebâti, soit restauré, soit libéré. Au nom de Jésus, je libère ta destinée, je libère ta gloire, je libère ta restauration, je libère ta grandeur. Au nom de Jésus, n'importe où tu te trouves, que la grandeur te localise, ils reviendront à toi, ils reviendront à toi. Là où tu allais te cacher, à cause des hommes, la société va te chercher. Le ciel va te chercher. Le ciel est en train de te localiser. À partir d'aujourd'hui, du rejet, reçois l'élection. Au nom de Jésus, reçois la guérison dans tes artères, dans tes organes, dans tes vaisseaux sanguins. Que la guérison soit promptement
libéré au nom de Jésus. À l'instant où je parle, reçois cette guérison au nom de Jésus. Si dans ta famille vous êtes rejeté, vous n'êtes pas élevé, il n'y a pas de grand, reçois la grandeur pour marquer la différence au sein de cette famille au nom de Jésus. Reçois la clé de la grandeur à partir d'aujourd'hui jusqu'à la suite des temps. Comme Jephté est devenu chef parce qu'il a combattu, un vaillant héros, soit un vaillant héros, de conduire une direction, conduire un peuple, conduire une nation, conduire des équipes, dirige des sociétés au nom de Jésus. Amen. Amen. He's the miracle worker. He's a miracle working God. Working God. He's the Alpha and Omega. He's the miracle working God. Ah. He's the Alpha, Alpha and Omega. Omega. He's the miracle working God. The miracle.